Bonsoir et bienvenue à tous dans un nouvel rendez-vous d'actualité Quoi Neuf. L'ex-président de la République, Jacques Chirac, n'est pas mort, mais bel et bien vivant. L'homme de 86 ans, dont la santé décline au cours des dernières années, a été annoncé mort sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fausse et erronée, de très mauvais goût. Un mauvais plaisantin a exploité de la fragilité de l'ex-président de la République pour propager de fausses et trompeuses nouvelles, des informations qui n'ont pas été vérifiées. Mercredi, la page Wikipédia de Jacques Chirac a été changée pour annoncer sa mort. Après quelques heures, si tout semble maintenant être revenu à la normale, la rumeur de la disparition de Jacques Chirac s'est tout de même vite circulée sur les réseaux sociaux, laissant craindre le pire. Cette nouvelle vague de rumeurs infondées qui circule partout sur la disparition de l'ancien chef d'État survient alors que les nouvelles sur l'état de santé de Jacques Chirac se font rares sur la scène médiatique. Alors, comment va l'ancien président de la République? Le mari de Bernadette Chirac reçoit de moins en moins à sa résidence située à Paris et les visites des proches ou les anciens fidèles collaborateurs qui se rendent chez Jacques Chirac pour prendre des nouvelles de sa santé seraient toujours rares au cours des dernières semaines. À en croire les nouvelles révélations sur le sujet, les nouvelles confessions rapportaient ça et là dans les médias, laissant entendre que l'ancien chef d'État est dans un meilleur état de santé physique, psychologique, bien qu'épuisé. Il y a quelques semaines, un ancien fidèle collaborateur donnait de nouvelles informations de l'ex-président de la République dans un documentaire inédit intitulé « Mon Chirac ». On les découvrait alors que son état de santé demeurait dégradé. C'est la fin, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires. Et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucun de nos prochains rendez-vous.